Ce texte de la Genèse que nous avons entendu raconte que Dieu, après le déluge, après avoir laissé sa création disparaître dans les flots, décide de faire alliance avec le petit reste de vie qu'il avait épargné. Des êtres vivants, humains et animaux, restés en vie au cœur de la catastrophe. L'auteur de ce texte écrit une foi en un Dieu qui doit changer. Ah, alors, en fait, comme on dit en télé, j'ai un retour. Normalement, c'est pas prévu que j'ai un retour de ma propre voix. Excusez-moi, je reprends. Donc, des êtres vivants, humains et animaux, restés en vie au cœur de la catastrophe. L'auteur de ce texte écrit une foi en un Dieu qui doit changer. Alors, un Dieu qui doit changer, c'est un peu étonnant. Lui qui est éternel, infini, immuable. Là, on le voit dans une situation étrange, ce Dieu. Un Dieu, alors qu'il avait la toute-puissance créatrice, s'en est servi pour détruire. C'est un Dieu auquel on laisse une nouvelle chance, en quelque sorte, puisqu'il ne sait que faire de sa toute-puissance, alors nous l'écrirons plus sage, se dit l'auteur de la Genèse, et aussi moins puissant. Plus vulnérable à la vie dont il est censé être le créateur, mais qui l'a détruit pourtant. Lire la Genèse, c'est lire une histoire de début qui n'en est pas un. Un commencement qui est davantage une nouvelle chance pour la relation entre les humains et leur Dieu qu'un matin du monde. Écrit au retour d'exil pour beaucoup des paragraphe qui se trouve dans le livre de la Genèse. Ce livre est celui d'un nouveau départ. Il s'agit, après la catastrophe de la déportation à Babylone, de penser une relation à un Dieu qui n'a pas pu empêcher que son peuple soit déplacé, disloqué et réduit à l'état de mineur, lui qui pourtant était destiné à la liberté. Écrire un début, une théodicée nouvelle, nécessite de chercher ce que peut être ce Dieu avec lequel il est temps de renouer après un exil qui a permis de lire autre chose sur le divin et sur le sens de la vie, comme par exemple les grandes épopées babyloniennes issues des mythes les plus anciens, comme l'épopée de Gilgamesh, ce roi d'Uruk, dont on raconte depuis le troisième millénaire, dans des versions modifiées au gré des réécritures, la quête d'immortalité. En exil, le peuple a rencontré ces histoires, les a entendues et en a tiré le meilleur. On retrouve dans la Bible des passages entiers de cette épopée, comme le récit du déluge et de l'arche, fabriqués pour y échapper, ou encore le fragment du livre des Proverbes qui explique que la corde à trois brins ne se rompt pas facilement. C'est textuellement un morceau de l'épopée de Gilgamesh. Ces emprunts montrent la fascination des auteurs des écrits bibliques pour les grands écrits qu'ils ont découverts dans l'exotisme d'un exil, ou comme élite de la Judée qui avait été déplacée, ils avaient accès à des bibliothèques extraordinaires. Par contraste, mais aussi par rapprochement, il fallait maintenant que l'exil était fini et que les Perses permettent à chacun de rentrer chez soi, il fallait bien penser ce qu'allait être cette relation à un Dieu qui n'avait pas empêché l'exil et qui était tellement lointain. C'est alors un repentir que notre écrivain choisit de raconter. Écrire un faux départ, c'est présumer qu'un nouveau départ est offert. Alors, comme un contrat fixé par un écrit qui restera gravé dans la mémoire d'un peuple qui peine à se souvenir de ce Dieu lointain, l'histoire d'une distance qu'il faut ajuster entre ciel et terre est mise en récit. L'auteur biblique écrit que Dieu pose un signe dans le ciel,
pour se souvenir de l'histoire de sa faute, de son hubris, de sa destruction. Je place mon arc dans la nuée, il sera un signe d'alliance entre moi et la terre. Quand j'aurai rassemblé les nuages au-dessus de la terre, l'arc apparaîtra dans la nuée et je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous, ainsi que tous les êtres vivants, et les eaux ne se transformeront plus en déluge pour anéantir tous les êtres. Et si la juste distance entre Dieu et nous, c'était l'écriture, qu'elle passe par la graphie, ou non d'ailleurs, qu'elle commence par la mise en récit oral, qu'elle se transmette de bouche à oreille pour ensuite être fixée dans une langue et dans un contexte donné, l'écriture de la relation à Dieu marque cette distance qui nous sépare de lui. Comment parler de l'invisible ? Comment appréhender une présence qui n'a de connu que l'absence ? Car enfin, personne n'a jamais vu Dieu. Mais écrire que personne n'a jamais vu Dieu, comme dans la première épître de Jean, c'est déjà mesurer ce qui nous sépare de lui et, ce faisant, ce qu'il faudra d'art et de manière pour rester en relation malgré tout avec cette réalité d'un Dieu présent et pourtant invisible et inconnu. Nous avons entendu aujourd'hui la formulation singulière et unique d'une relation à Dieu qui se cherche et se comprend déjà comme une recherche. La confession de foi que nous avons écoutée relève d'un art de poser des signes pour relier un être à l'existence d'un autre dont on ignore selon quelle modalité il existe. Cet effort si particulier d'écriture, Marguerite Duras a essayé d'en écrire le secret, ou plutôt l'intimité, dans son livre intitulé « Écrire ». Elle dit « Je crois que j'aurais écrit des livres dans tous les cas, des livres illisibles, entiers cependant, aussi loin de toute parole que l'inconnu d'un amour sans objet, comme celui du Christ ou de Jean-Sébastien Bach. Tous les deux d'une vertigineuse équivalence. Aussi loin de toute parole que l'inconnu d'un amour sans objet. N'est-ce pas une description possible de ce qu'on appelle la foi ? Faute de mieux, cette relation à un Dieu si difficile à penser, qui se refuse à toute définition, sauf dans l'amour qui nous unit à son existence. Une existence qui ne se prouve pas, qui ne se décrit pas, mais mystérieusement qui s'écrit d'âge en âge. La relation au divin s'écrit depuis la nuit des temps, depuis les signes laissés sur la pierre, depuis les empreintes de mains peintes dans les grottes où les humains cherchaient le sacré, ce sacré qui les transcendait et que leur cœur trop petit pour le contenir devait exprimer à tout prix. Dans la solitude de l'exil, une écriture a maturé jusqu'à devenir la forme même de la relation nouvelle à Dieu, avec des matériaux épars empruntés à d'autres cultures et revus et réemployés différemment, pour dire ce Dieu qui a laissé tomber son peuple en quelque sorte ou qui s'est fâché contre lui d'une façon injuste et qui doit maintenant revenir de sa faute. Cette relation à l'écriture et à un Dieu écrit à défaut d'être su par les hommes que nous voudrions explorer avec les enfants et les jeunes cette année qui sont confiés à l'éducation biblique. Comment on écrit dans l'espace qui nous sépare de ce Dieu insu et pourtant révélé dans la foi singulière de chacun ? Comment on découvre Dieu quand on a des écrits qui montrent davantage le sentiment que ressent celui qui écrit plutôt que Dieu lui-même ?
Sans doute la réforme protestante a déjà fait ce chemin qui explore cette relation personnelle de chaque croyant au divin. Mais avec un problème, qui est de donner toute autorité à des écrits qui sont avant tout humains et qui nous apprennent davantage quelle relation a tel ou tel auteur à son Dieu que la vérité de Dieu lui-même. Peut-être que faire cette objection revient à prendre le risque de saper l'autorité de Dieu, me direz-vous. Mais avec les moniteurs et monitrices, nous nous sommes rendus compte, en travaillant cette matière passionnante de l'écriture, que l'on en apprend sans doute plus sur Dieu en ne cherchant pas à lui faire dire les paroles humaines que l'on a écrites à son propos, et qu'il valait mieux accepter que nous n'ayons que des témoignages de foi bien humains pour nous guider, plutôt que la vérité sur Dieu, une vérité introuvable, impossible à fixer une fois pour toutes, toujours en recherche. Trop d'églises ont fait cette erreur de donner une définition définitive de ce que devait être la foi. Nous faisons le pari que les enfants trouveront leur chemin et que vous, les jeunes, vous trouverez le vôtre dans cette recherche, dans ces écrits, en faisant la part de ce que les hommes ont voulu écrire et ce que vous, vous voyez transparaître de la présence de Dieu. Parmi les piliers du protestantisme, on trouve le fameux sola scriptura, l'écriture seule. Et bien que cette affirmation ait eu des vertus indéniables pour amener les croyants à se muer en lecteurs consciencieux, elle a cependant occulté l'autre dimension de l'écriture, cette solitude de l'écrivain. Quelqu'un qui écrit sa foi est absolument seul. Seul avec Dieu peut-être, mais en tout cas, il ne peut pas l'écrire avec les mots d'un autre. À l'autorité de l'écriture seule, il faudrait substituer l'acte d'écriture, l'acte d'écrire seul, pour comprendre la portée des textes qui sont écrits par des hommes et des femmes dans la grande bibliothèque de la Bible. Des écrivains de livres, des êtres de solitude qui devaient physiquement, corporellement, fixer des écrits entendus, rapportés et aussi qu'ils avaient inventé, créé, dans le silence d'une intimité de foi que seule l'écriture est capable de créer. Qu'elle soit littéraire, picturale, musicale ou de quelque nature que puisse être l'acte d'écrire, car on écrit aussi dans d'autres arts, l'écriture creuse la solitude dans laquelle le divin fait sa place. Dans l'écriture solitaire, il y a l'engagement du corps, celui de l'âme, et la technique et la manière, bref, il y a le métier d'artisan qui fait venir de l'impalpable dans la matière, qui fait descendre l'indicible dans les signes de l'écriture. Il faut beaucoup de force pour accepter de se mettre à sa table d'écriture, parce qu'il faut du courage pour se retrouver dans la solitude de ce que cette activité exige. Cette activité engagée nécessite qu'on soit seul au moins un temps, comme l'écrit si bien Marguerite Duras dans le même livre. La solitude de l'écriture, c'est une solitude sans quoi l'écrit ne se produit pas. Ou alors il s'émiette, exsangue, de chercher quoi écrire encore. Dans le texte écrit de mains humaines, celui que nous avons lu ce matin, Dieu pose un signe dans le ciel pour se souvenir qu'il ne sera plus le Dieu qui détruit. Il pose un arc dans le ciel. Il écrit avec les couleurs de l'eau. En hébreu, c'est le mot pour dire l'arc de l'archer. C'est une arme que Dieu pose dans le ciel, prête à envoyer sa flèche vers le ciel et non plus vers la terre.
Le ciel que Dieu veut ainsi marquer pour se souvenir de son péché à lui. C'est extraordinaire d'avoir écrit l'histoire du péché de Dieu. Qui aurait pensé cela? Qui aurait pu penser qu'un peuple qui se sentait abandonné ait le courage d'écrire une histoire où Dieu s'est trompé et où il doit revenir de sa faute? Et quand on pense que le même terme « arc » qui exprime le péché, quand on pense que le terme qui exprime le péché en hébreu est étymologiquement le terme pour dire « rater sa cible », on se dit que peut-être cet arc posé dans le ciel est là pour rappeler le péché de Dieu. On plonge alors dans les merveilles de cette écriture qui dit à différents niveaux, de différentes façons, par les images, par les symboles, par le réel même de l'arme pointée vers Dieu, de quelle nature sera désormais l'alliance entre les hommes et Dieu. Dieu veut lui-même que l'arc soit le signe qui le lie à l'humanité. Il choisit son signe. En hébreu, signe veut aussi dire souvenir, monument. C'est comme cela qu'on dit, en effet, avec le même mot. C'est un Dieu qui risque d'oublier son peuple que ce texte nous décrit. Un Dieu qui a besoin de mémorial pour se souvenir de sa propre violence, comme l'humanité le fait quand elle érige des monuments aux morts et les regarde en espérant que jamais plus la catastrophe ne se reproduira. De quelle foi en Dieu nous parle ce texte? Quelle foi de Dieu lui-même est mise en abîme dans l'écriture d'un récit où Dieu écrit un signe dans le ciel pour se souvenir des hommes? À coup sûr, la toute-puissance a été révisée et elle est devenue impossible à écrire à propos de Dieu. Et si la liberté du croyant ne se gagnait qu'au prix de l'acte d'écrire le Dieu auquel on croit? Et si la Bible était elle-même signe de cette liberté des humains à dire comment ils voient leur Dieu, comment ils l'espèrent dans la relation qu'ils forgent avec lui, à coups de graphie, de phrases et de symboles? Dans la vapeur atmosphérique traversée par les rayons du soleil, l'auteur de ce passage de la Genèse a voulu voir l'amour d'un Dieu pour un peuple qui, pourtant, a été laissé seul en exil. Dans la douceur des couleurs d'un arc-en-ciel, l'auteur voit en sa solitude, devant le non-sens d'une catastrophe que même Dieu ne pouvait pas empêcher, un possible repentir divin. Se repentir d'un Dieu qui promet de ne plus faire de mal, c'est la réforme d'une théologie d'un Dieu tout-puissant vers un Dieu compatissant et proche, proche de l'humanité, proche des hommes, des vivants qu'il a créés, de tous ces animaux que maintenant il veut protéger. Un Dieu qui aime et respecte sa création. Voilà la foi de l'auteur de ce texte. En écrivant l'histoire d'un Dieu qui se trompe et revient de sa faute, l'auteur comprend sa puissance et sa responsabilité, car par la force de l'imagination et le courage de son écriture, il réforme toute la relation à Dieu qu'on lui avait autrefois enseignée et il propose autre chose. Son Dieu à lui se rapproche ou ne sera pas. Et sa proximité se dira par la beauté d'un arc-en-ciel plutôt que par la violence des flots. Écrire l'amour de Dieu, c'est sans doute s'approcher de ce qu'il dépose dans nos âmes et que nous ne savons pas tant que nous ne sommes pas allés explorer cette solitude, matière de toute spiritualité, vide salutaire où Dieu se fait une place et nous exhorte à écrire son existence pour que d'autres aient envie, eux aussi, de questionner sa présence.
Alors, en lisant la Bible, en déchiffrant tous les signes qui nous rapprochent ou nous éloignent de Dieu selon les textes, souvenons-nous qu'elle est aussi la bibliothèque de tous les livres que l'on n'a pas encore écrits pour dire l'amour de Dieu. Amen.